Bonjour à tous et bienvenue sur Dishonored en compagnie de Siux. Donc nous voici pour la deuxième partie. Pour petit rappel, nous venions de nous faire emprisonner pour le meurtre de la reine, qui était bien sûr un coup monté. Et on vient juste de s'évader en faisant exploser un mur et nous sommes partis dans les égouts. Donc direction pour la suite. Alors, il y a une sorte d'explosif pour se faire mal. Qui ça pourrait bien être? Le gang de Bottle Street, peut-être. Fais gaffe en avançant. Pourrait y avoir des pièges dans les parages. Bien. Le gars espérait que Corvo tombe dedans. Il te fait peur? Il vient de Cerconos. Avec des marchands et des cadavres. Alors, Corvo, si vous lisez ceci, cela signifie que notre plan a fonctionné et que vous êtes échappé de Coldridge. Un de nos contacts a caché des armes pour... pour vous, quelque part dans les égouts, récupérez le matériel et trouvez Samuel à l'endroit où ces tunnels se jettent dans le fleuve. Il vous amènera jusqu'à nous, un ami que vous rencontrerez bientôt. On voit bien que tu le connais pas. Moi, une fois, je l'ai vu s'entraîner à 3 contre 1. Un vrai démon. J'espère que c'est moi qui le trouverai. Ça, je l'espère aussi. Ah ouais, ils rigolent pas les rats. Des vrais voraces. Oh là 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 là. Le massacre. Bon, bah je suppose qu'il vaut mieux tous les éviter. Au moins, c'est fermé. Quoique bon, il pourrait quand même passer entre les grilles, mais on va dire que c'est fermé. Ok. Ça a l'air bon. Amanda et moi avions juste assez d'argent pour acheter la moitié de l'élixir dont nous avions besoin et désormais nous n'en avons plus. Nous ne pouvons qu'attendre, nous sommes très malades et il n'y a aucun endroit à la surface où se cacher de la garde urbaine. Ils forcent les portes des maisons dans tout le quartier, nous allons donc rester ici et partager les quelques heures qui nous restent ensemble. Notre feu garde les rats à distance mais ils finiront par envahir cette ville, Damien. Eh ben, pas de chance pour eux. Outsider works among. Je ne comprends toujours rien. C'est pas grave. Rien par là. Choper la peste, là. Ben, on n'est pas protégé par l'élixir. Qui sait?
En tout cas, balançons-les ici. L'air à aller. Ah ouais, bon. Ça fait beaucoup de rats tout ça. Oula. Remonte. Non. Loin et par ici. Allez hop. Votre attention, citoyen de Dunwall. L'assassin Corvo, coupable du meurtre de notre impératrice bien-aimée et de l'enlèvement de Lady Emily, héritière du trône, s'est temporairement soustrait à sa détention. Vous êtes tenu de coopérer immédiatement avec la garde urbaine si vous le localisez. Bon. Voilà, ça c'est fait. De l'argent. Tant pis, on sait pas monter. Hop. Alors, salutations Corvo, ou devrais-je dire protecteur, comme vous appelez en vent, qu'on vous retire injustement ce titre. Nous sommes des serviteurs de l'Empire et de la véritable impératrice. Un groupe de fidèles souhaitant ardemment vous rencontrer. Prenez ces armes, elles ont été fabriquées pour vous avec les meilleurs matériaux des îles. Puis allez voir Samuel, l'un de nos hommes qui se trouve près de l'endroit où ces tunnels se déversent dans le Wenhaven. Ne traînez pas et bonne chance, nous partageons une cause commune. Hey, classe. F.
Appuyez sur C en sprintant pour effectuer une glissade. Sympa. On va le désactiver pour être tranquille. Alors, Gelly, au cas où tu serais trop bête pour t'en souvenir, regarde ton whisky, t'auras la réponse. Whisky compris, si tu veux ta part, tu trouveras, sinon je reviendrai le mois prochain. Une part pour... Ok. Alors... Le whisky. Ah 451, alors... Hey. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir autre chose. Dans l'eau, il n'y a rien. Personne d'autre dans le coin. Essaie de faire du raffut en mourant. Fais tomber un truc si possible. Crevard. Quelle solidarité entre les gardes. Ça sent le génieur crevé là-dedans. Étonnant. Il y en a qui viennent mourir ici des fois. Ils plombent. Ah bah ça c'était du vol. Encore raté par les discrétions. Donc il y a encore un garde là. Et oula, un ici. Il y a un rôdeur en liberté. Hein ? L'assassin, à l'aide ! Appelons-le, bon. Laissons-le à manger aux chiens. Déséquilibrer votre ennemi en le bloquant au moment, appuyez sur clic droit pour une contre-attaque fatale. Au moins j'aurais récupéré tous les sous. Toujours rien sur l'eau.
attention, citoyen de Dunwall. L'assassin Corvo, coupable du meurtre de notre impératrice bien-aimée et de l'enlèvement de Lady Emily, héritière du trône, s'est temporairement soustrait à sa détention. Vous êtes tenu de coopérer immédiatement avec la garde urbaine si vous le localisez. Venez, je suis avec vous. Je m'appelle Samuel. Et je travaille pour des gens bien qui aimeraient beaucoup vous rencontrer. Ils ont dit que je vous trouverais là, mais j'ai encore du mal à y croire. Je vais vous conduire à eux. Bon, c'est pas loin d'ici, par le fleuve. Bon, on va quand même d'abord finir de faire le tour. Je reste ici. Mais ne tardez pas trop. Même si je doute qu'il y ait encore de l'argent ou autre. C'est pas monté. Oula. Ils font vachement mal les poissons. Bon, on dirait en fait qu'on ne sait pas aller ailleurs. Rien à ramasser sur le bateau. Bon bah on y va. Il y a un bon repas chaud et un lit douillet qui vous attendent. Alors ennemi tué 3, civil 0, 0, 0, KO général 0, enfin faible. A ouvert le coffre de Chelly. Alors, trouver. Il me manque encore pas mal d'argent en fait. Je me demande à côté de quoi je suis passé pour en louper autant. Caché dans un vieux bar sur la rivière, vos nouveaux alliés ont des plans qu'ils veulent partager avec vous. Partez à la rencontre des principaux membres de des loyalistes afin de savoir ce qu'ils ont en tête. Voici le pub Hound Pits, fermé au public tout comme la moitié du quartier déclaré sinistré par la peste. Nous sommes juste sous le nez du Lord Régent et il ne se doute de rien. Bien sûr, si quelqu'un découvre ce qu'on fait ici, la garde va débarquer l'épée au poing. Avec votre évasion, le Lord Régent va mettre la ville à sac pour vous retrouver. Je vous emmène voir l'amiral Havelock et le reste des loyalistes. L'amiral est un homme plein de ressources. Si quelqu'un peut vous aider à retrouver cette petite Lady Emily, et il avait votre honneur, c'est bien lui. J'imagine qu'ils travaillent tous d'arrache-pied. Allez-y, ils vous aideront à démasquer l'assassin de l'impératrice. L'avenir est en marche, amiral. Nous avons trouvé notre homme. Après 6 mois passés au bagne, il s'est évadé comme si de rien n'était. Oui, Pite, nous en reparlerons plus tard, Lord Pendleton. Le héros du jour est arrivé. Corvo, je suis l'amiral Havelock, fidèle serviteur de l'Empire. Jusqu'à ce que le Lord Régent renvoie ceux qui refusaient de reconnaître sa légitimité. Je suis Lord Trevor Pendleton. Je représente la noblesse dans notre petit groupe. Mais nous sommes tous égaux ici, au Hound Pits. C'est un moment décisif, Corvo. Je vous le dis sans fioriture. Nous avons fondé une coalition de loyalistes, dans le but de mettre fin à la tyrannie du Lord Régent et restaurer le trône. Au risque d'être exécutés, nous sommes décidés à retrouver la jeune Lady Emily et la voir couronnée impératrice.
Nous avons un plan, mais nous ne pouvons rien faire sans vous. Il nous faut votre talent, notamment pendant le combat. Si vous nous aidez, nous vous aiderons à vous venger de ceux qui ont tué l'impératrice. Désolé, vous êtes sûrement épuisé. Nous en reparlerons lorsque vous serez reposé. Mais avant de partir, allez donc vous présenter à Pierrot. C'est un provocateur, mais son génie sans égal lui donne ce droit. Oui, Pierrot est aussi bien artiste qu'ingénieur. Il vous fabriquera l'équipement qu'il vous faut. Allez lui parler, puis dormez un peu. Nous nous parlerons plus tard. Bon, donc son atelier est près du quai, mais on va d'abord faire un tour. Suite à des risques d'infection, tout débarquement fluvial est interdit dans le quartier de la distillerie. Tout contre... Oula. Bon, je vais peut-être pas lire tout ça. ...sera emmené au quartier inondé pour y être réhabilité. Rendu 14. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase. Grâce aux improvisations de Martin, le garde du corps a été libéré et devrait bientôt arriver au quartier général. Avec l'influence politique de Penton et mes relations militaires, il ne nous manquait plus qu'une force létale et contrôlable pour remédier à certains... Ah, bref, nous avions besoin de quelqu'un pour expédier les gêneurs. Corvo est notre homme, ça ne fait aucun doute. Terminé. C'est bon ? Docteur, où est-ce qu'il est ? On se croirait dans les Elder Scrolls avec autant de livres à lire. Mais bon, on va éviter. D'ailleurs, dans ces jeux, au tout début, je m'étais dit, allez, je vais essayer de les lire jusqu'au bout. Et au fur et à mesure que j'avançais, au fur et à mesure que je passais au-dessus. Au bout d'un moment, quand même, ça devient rébarbatif. Les meubles ont été installés, non sans une bonne dose de jérémiade de la part de ce rogaton de passage. Les autres n'ont aucune idée de la souffrance que j'ai endurée. À ce propos, Wallace, apportez-moi deux bouteilles de rouge de Dunwall. N'importe lequel. Et un verre propre. Oh, tant pis. Si je peux me permettre, je suis l'assistant de Lord Pendleton et l'un des majordomes du manoir Pendleton, comme mon père avant moi. J'ai la responsabilité de ce manoir, le refuge des loyalistes. Je n'ai jamais vu l'amiral échouer, quoi qu'il ait entrepris. Si quelqu'un peut rétablir l'ordre à Dunwall, c'est bien lui. Il nous rendra notre ancienne vie. J'en suis sûr. Ah, vous devez être Corvo. Je suis Lydia, à votre service. Votre chambre vous attend à l'étage. Quand on m'a dit qui vous étiez, j'ai cru que vous seriez plus vieux, comme l'amiral. Bon, bon, c'est quand même pas mal de sous dans ce jeu. Je me demande ce qu'on pourra quand même acheter avec. La pression de raclure d'eau s'est étendue jusqu'à l'embouchure du fleuve et au quartier inondé. Ne tentez pas d'approcher ni de détruire cette vermine. Tout objet récupéré à cette occasion appartient à l'État.
Bon, alors, où se trouve la personne qu'on cherche ? Il y a des sous à se faire là-dedans, il suffit juste de trouver la clé. Votre attention, citoyens de Dunwall. Lady Emily Caldwin a été enlevée il y a 6 mois environ, le jour du meurtre de sa mère. Quiconque détient des informations permettant de retrouver l'enfant de notre bien-aimée impératrice est tenu de se présenter immédiatement à la garde urbaine. Ah, ça doit peut-être être lui. Je vous fabriquerai armes et équipements, du sur-mesure rien que pour vous. Je vais vous créer les outils d'un maître assassin. Non, pas là, pas maintenant, le réservoir d'huile est à sec. Vous pourriez m'en descendre à nouveau, pendant que je maintiens ça en place. Mais attention, l'huile est instable. Les explosions font de sacrés dégâts. L'Académie enseigne l'idée absurde que l'huile de baleine produit de l'énergie afin de maintenir les fonctions vitales de l'animal dans les profondeurs de l'océan. C'est ce qui lui permettrait de résister à la pression et au froid. J'en déduis qu'un être humain, après une phase d'adaptation, devrait, lui, pouvoir produire ce genre d'humeur. Pour le confirmer, je pourrais construire un réservoir à pression modulable. C'est parfait. Merci, Gord. Là, vous voyez, le masque de l'assassin. Vous êtes un homme recherché, donc tout le monde connaît votre tête. Mais avec ce masque, vous allez les terroriser. Alors là, ne bougez plus, il faut que je vous l'ajuste. Voilà. Vous voyez correctement ? Cette lentille n'est pas alignée, là. Ça y est, c'est mieux, non ? Je peux vous faire bien d'autres choses. Des améliorations, des armes, des munitions. Mais nous manquons cruellement de moyens. Trouvez-moi des objets de valeur en ville, j'irai les revendre au marché noir. Ça nous donnera des fonds pour fabriquer ce qu'il vous faut. D'accord, donc c'est lui notre marchand. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Voyons voir, carreau, hein, spirale tranchante... Pièges pouvant se fixer à la plupart des surfaces. D'accord. Une grenade et un outil de câblage permet de reprogrammer des circuits afin de détourner les systèmes de sécurité à votre avantage, disparaît après utilisation. Ouais. Ah bah ça c'est intéressant par contre. Alors précision, portée, rechargement, carré anesthésion instantané, endort immédiatement la cible. Ça, ça peut être pas mal quand même. Amélioration du pistolet, portée de la spirale,
faire croiser votre épée est plus efficace lorsque vous la croisez avec celle de l'adversaire et tenter de la repousser. Alors, revers spéciaux permettant de voir plus loin, appuyez sur l'alt gauche pour zoomer. Oui, réserve de balles, réserve de carreaux, grenades, réserve de spirale, complément de charme d'os. Permet d'activer un charme d'os supplémentaire pour un total de 4. Complément de charme d'os 2. Sauf que j'ai aucune idée de ce que c'est qu'un charme d'os. Bon, allez, on va se tenter pour ça déjà. Voilà. Ensuite, il me reste combien? Vous avez 917. Un carreau anesthésiant. Hop. Allez, c'est bon pour ça. Vous devez être épuisé. Je vous conseille d'aller dormir au plus vite. Votre existence va être mise à rude épreuve. Alors, allez vous reposer. Bonne nuit. Bon ben, je vais arrêter là pour cet épisode. Je reprendrai dans un prochain. Bonne journée, au revoir à tous.